Bonjour la classe, bienvenue à notre leçon du jour. Je suis très content de vous voir aujourd'hui une fois encore. Aujourd'hui, nous allons avoir une leçon de lecture et de compréhension. Comme d'habitude, je vais faire une lecture expressive. Deux fois, après ça, vous allez lire après moi, phrase par phrase. I'm saying, we're going to have reading. I'll read first alone twice, then I'll allow you to read after me, sentence by sentence. Bien, suivez attentivement la lecture. Bien sûr, après la lecture, vous allez répondre aux questions de compréhension. After reading, pay attention. You have to answer some questions. Lisez la lettre suivante. Cher Valérie et Nicolas, nous avons été très heureux d'apprendre que vous alliez bientôt célébrer votre union. Et nous vous remercions de nous avoir invités à votre mariage. Malheureusement, nous serons en Italie à ce moment-là. Ce sont des vacances que nous avons prévues depuis très longtemps et nous ne pouvons pas annuler notre vol, ni changer la date. Vous vous souvenez de nos amis Tony et Marie qui vivent en Australie? Ils nous ont invités à passer une semaine avec eux dans leur maison de vacances près de Florence. Nous ne les avons pas vus depuis 7 ans et nous ne savons pas quand nous les reverrons si nous manquons cette occasion. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie. Nous vous souhaitons également d'avoir une grande famille puisque c'est votre vœu le plus cher. Sylvie et Robert. Je vais faire une lecture expressive une fois encore. I'm going to read a second time. Once again. Chère Valérie et Nicolas, nous avons été très heureux d'apprendre que vous alliez bientôt célébrer votre union et nous vous remercions de nous avoir invités à votre mariage. Malheureusement, nous serons en Italie à ce moment-là. Ce sont des vacances que nous avons prévues depuis très longtemps et nous ne pouvons pas annuler notre vol ni changer la date. Vous vous souvenez de nos amis Tony et Marie qui vivent en Australie? Ils nous ont invités à passer une vacance avec eux dans leur maison de vacances près de Florence. Nous ne les avons pas vus depuis 7 ans. Et nous ne savons pas quand nous les reverrons si nous manquons cette occasion. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie. Nous vous souhaitons également d'avoir une grande famille, puisque c'est votre vœu le plus cher. Sylvie et Robert. Bien, cette fois-ci, je vais lire. Et vous, phrase par phrase, et vous, vous allez lire après moi. I'm going to read, and you are going to read after me, sentence by sentence. Chère Valérie et Nicolas, répétez. Bien. Nous avons été très heureux d'apprendre que vous alliez bientôt célébrer votre union. Et nous vous remercions de nous avoir invités à votre mariage. Répétez cette phrase. Une fois encore. Très bien. Malheureusement, nous serons en Italie à ce moment-là. Répétez.
Très bien. Je continue. Ce sont des vacances que nous avons prévues depuis très longtemps. Répétez. Pardon? Une fois encore. Très bien. Et nous ne pouvons pas annuler notre vol, ni changer la date. Répétez. Très bien. Vous vous souvenez de nos amis Tony et Marie qui vivent en Australie? Répétez la phrase. Répétez une fois encore.